ça y est, là, voilà. Bof, ça marchera jamais. Moi, je m'en fiche de ce qu'a dit le grand maître. Ça n'intéresse absolument personne. Il a dit qu'il fallait trouver la pierre d'Astra. Vas-y, Kana! Maintenant! Bravo! Bravo! J'ai tout vu, mais je n'arrive pas à le croire. Eh oui, ça a marché. Super, Beric. Tu as été génial. Excuse-moi d'avoir douté de ta force. C'était fabuleux. Qu'est-ce que je disais? Le trognon de pomme, mon cher Presto, s'il te plaît. Merci. C'est pas trop, ils ont l'air très en colère. Oh, et petit. Peut-être qu'ils préfèrent les bananes. Ça, on dira ce qu'on voudra, mais il a toujours des idées fabuleuses. Ah, tu trouves? Oui, je trouve. Vite, sauf qui peut. Attendez, fuir n'est pas la bonne solution. Moi aussi, je suis pour arrêter de fuir et pour combattre ces monstres. Ils sont trop nombreux, Bobby. Si on se bat contre eux, ils vont être fous de rage. Encore plus fous de rage. Approchez. Je vais vous apprendre à vivre, grosse vache. C'est pas le moment de jouer les héros, non, Bobby. Mais c'est moi. Je ne trouverai jamais à manger par ici. Tiens, qu'est-ce que c'est? D'accord, 6 pains. C'est peut-être un peu trop, non? Mais avouez qu'il vaut tout de même plus que 5 pains. Non. Et même si ma famille pouvait se le permettre, 5 pains, c'est beaucoup trop. Laisse-nous tranquilles. Retourne chez toi. Merci beaucoup. Et vous pouvez le garder, votre pain. Arrêtez-le! C'est un sorcier. Oh! Non, attendez! Mais j'ai rien fait de mal, laissez-moi! Il faut le détruire avant qu'il ne revienne et qu'il vous détruise jusqu'au dernier. Non, on ne peut plus courir. Il faut se battre. Oui, il faut absolument se battre. Eh bien, c'est pas trop tôt. Oh, vous pouvez pas avoir de meilleures idées. Superbe. Ça, c'est ce que j'appelle une arme super efficace. Oui, ça, c'est vraiment pas très poli. La prochaine fois, fais attention contre qui tu percutes. Mais arrête, Eric. Il t'a sauvé la vie. Quoi? Ah, oui, c'est vrai, oui. Merci. Ça va, c'est rien. Je m'en doutais un peu. Alors, Eric, qui est donc ton nouvel ami? Mon ami, mais je ne vois pas d'amis dans le coin. Vous plaisantez? Ce type ne peut pas avoir d'amis? Si, bien sûr. Tu es arrivé juste à temps avec cette arme miracle. Je m'appelle Lorne. Oui, oh, bah, ça c'est facile à se rappeler, ça rime avec corne. Et écoute, Lorne, ça te dirait de venir avec nous? Eh bien... Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Lorne vient avec nous? Ah oui, d'accord. Mais... Bon, c'est réglé. Il faut se trouver un coin pour passer la nuit maintenant. Ah,
la belle au bois dormant, content de voir que quelqu'un a passé la nuit au chaud. Ah, bonjour, et merci de m'avoir prêté cette cape, pauvre cloche. Dis donc, tu t'es taillé cette tenue tout seul ou ton tailleur est aveugle? Non, oh, écoute, il vaudrait mieux que tu la fermes une fois pour toutes si tu veux garder tes dents devant. Ça y est, c'est reparti. Ils sont pas croyables, ils n'ont pas arrêté toute la soirée. Ils devraient en faire un numéro pour la télévision. Oh, ils sont vraiment aussi bêtes l'un que l'autre. Ah oui, ça c'est vrai, ils pourraient être des jumeaux. Eh oui, ça c'est vraiment pas un cadeau de Harry. Excuse-moi de te dire ça, mais très franchement, si mes parents pensaient une seconde que je suis comme toi, ils s'empresseraient de nous déshériter. Oui, mais moi, tu vois, eh bien, je n'ai pas de parents. Hein? Oh, eh bien, écoute, je ne savais pas. Bon, allez, maintenant on se met en route. Il faut retrouver la pierre d'Astra du grand maître. La pierre d'Astra? Oh, et comment veut-il qu'on la retrouve, lui? Il nous a jamais dit à quoi elle ressemblait, cette pierre d'Astra. Oh, j'ai tellement faim, je crois que je pourrais manger. Tiens, ça par exemple. Écoute bien, je vais m'arranger pour le faire sortir du buisson et quand il se pointe, tu t'en occupes. D'accord? D'accord. Bien. Grand maître, mais qu'est-ce que vous faites de notre déjeuner? Je veux dire, on se change les idées? Sans blague, on travaille drôlement pour essayer de trouver votre... comment déjà? Votre pierre d'Astra. Ah oui, c'est ça. Oh. Calme-toi, cavalier. Tu as déjà rempli une partie de ta mission. Ah bon, alors dans ce cas... C'est vrai? Oui. Mais bientôt, la pierre d'Astra devra être détruite et la chaîne de la terreur brisée. Et c'est à ce moment-là seulement que l'un de vous pourra rentrer chez lui. Je sais que tu es bien triste, mon garçon, mais la solitude ne peut pas être compensée par l'utilisation d'une arme qui peut être aussi dangereuse. Ta force peut être découverte dans ta faiblesse. Détruis donc cette pierre. Quoi? Oh, pas question! Mais c'est ridicule! Mais nous en avons besoin, grand maître! Mais c'est vrai, c'est absurde! Oui, avec l'arme de l'ordre, nous sommes invincibles! Au contraire, cavalier, l'arme de ce garçon ne protège que lui. Et tous ceux qui se trouvent aux alentours sont en danger, car certains êtres diaboliques souhaitent récupérer cette arme. Mais qu'est-ce que vous racontez là? L'Orne est le meilleur ami que nous ayons rencontré depuis que nous sommes coincés dans cette espèce de royaume de malheur. Et vous le savez. Écoutez, moi je dis que nous avons l'Orne et il a la meilleure arme de ce royaume. Et si quelqu'un essaie de nous la prendre, il a intérêt à être brillant parce que la moutarde me monte au nez. Pouvoir du 12e talisman diabolique, viens à mon secours! Mais qu'est-ce que... Attention! Attention, il en vient de partout! Ne vous inquiétez pas, je m'en charge! Non! C'est encore pire, attention! Il faut que ça s'arrête! Je ne peux plus le contrôler! Je ne peux plus l'arrêter! Comment on arrête ce truc-là? Mais qu'est-ce que ça peut faire des barastans? Oh, unis! Tu as vu ça, Diric? Ton copain qui est si malin a failli faire écraser Uni. Mon copain? Écoute, Lorne, donne-nous un peu d'avance la prochaine fois que tu veux qu'on joue les cibles, n'est-ce pas? Mais... Le grand maître avait raison. Cette arme est bien trop dangereuse. Si tu veux rester avec nous, il va falloir t'en séparer.
Écoute, petit, laisse tomber ton jouet. Sinon, tu sais, si on a besoin d'aide, on tâchera de se souvenir de ne pas t'appeler au secours. Ah oui, si vous avez besoin d'aide, je ne me souviendrai pas de vous. Voilà. Mais si ça te fait plaisir, bonhomme, pourquoi tu vas pas te promener tout seul dans ce royaume? Ça pourrait être drôle. Toute ma vie, je me suis battu tout seul, moi, jusqu'au jour où j'ai eu cette arme. Elle est à moi et je la garde. Je ne veux plus dépendre des autres. Et d'ailleurs, je n'ai besoin de personne, même pas de vous. Ah bon, c'est comme ça. Eh bien, va te faire pendre. Et t'as qu'à emporter ce bijou grotesque avec toi. Et bon débarras, t'entends? Eh bien, tu sais, tu as été un peu dur avec lui, non? Moi? Pas du tout. Et on n'a pas besoin d'un avorton pareil, je te signale. Et pas plus d'ailleurs que ce jouet qu'il balade partout. Hein? C'est vrai, t'as pas à t'inquiéter. Il se débrouillera très bien tout seul. Il n'a ni parents, ni amis. Il n'a personne à qui parler. Oui, et la nuit tombe vite. Hein? Vous croyez qu'il va trouver un coin où dormir? Je veux dire, avant qu'il fasse trop de nuit. Qui sait? Mais de toute manière, on s'en contrefiche. Moi, je crois qu'on devrait passer la nuit ici. Et Eric, dis donc, tu peux essayer de rattraper Lorne, du moins, si tu veux qu'il revienne. Oui, mais c'est pas ça qui m'empêchera de dormir, mais... Enfin, je crois qu'il vaut mieux que j'aille jeter un œil au cas où il trébuche sur un dragon, ou qu'il se marche lui-même sur les pieds. Je ne comprends pas. Pourquoi Eric va-t-il le chercher? Eh bien, il n'aurait pas voulu le reconnaître pour tout l'or du monde, mais Eric est à la poursuite de son premier véritable ami depuis déjà pas mal de temps. Je le connais bien. Je savais que c'était toi. Mais oui, évidemment. Écoute, voilà, je suis vraiment désolé pour... Ben, tu comprends, hein? Enfin, si tu veux revenir avec nous, c'est d'accord. Si ce n'est... Quoi? Enfin, si ce n'est un tout petit problème. Ah, lequel? Je suis complètement perdu. Ah, bravo, génial! Eric, le grand explorateur qui a perdu le Nord. Oh, arrête! Si je n'avais pas eu le sens de l'orientation, je crois que je n'aurais jamais pu te retrouver. Eh bien, t'es vraiment pas en forme. Quoi, tu rigoles ou quoi? Je fais semblant d'être essoufflé pour ne pas te mettre trop mal à l'aise. Bonhomme. Eric, regarde. Bon. Ah ben, il y a sûrement quelqu'un là-dedans qui sait où on est. Viens. Hé, hey, attends une minute. Il faut que tu saches quelque chose sur ces gens-là. Pas de problème. Tu me laisses parler, surtout. Toujours aucune trace de lui. Aucune. Bon, on leur accorde encore 5 minutes et ensuite on part à leur recherche. Ils sont sûrement sains et saufs. Je ne vois pas quel problème ils pourraient avoir. Mais où est le mandat? Je veux voir mon avocat. J'ai le droit de téléphoner, mais laissez-moi! Il revient enfin avec quelqu'un qui lui ressemble. C'est un sorcier. Un sorcier? Mais vous êtes malade. Je suis trop malin pour être un sorcier. Et lui, il est trop bête. On veut simplement savoir où on est. Oh. Pourquoi tu es venu par ici, sorcier? Attends! Est-ce que tu ne vois donc pas que ce sont seulement des enfants? C'est faux! Excuse-moi, ce sont des sorciers qui se font passer pour des enfants! Ils sont revenus pour nous détruire! Tu as vu ça? Et ça, c'est quelqu'un qui s'est arrivé à point nommé! Quoique... Je viens chercher le talisman! Le talisman, petit, où je pulvérise tous ceux qui sont ici. Donne-moi la pierre d'Astra. La pierre d'Astra? Mais alors, il l'a portée depuis le départ. Ne lui donne pas l'ordre. Surtout, ne lui donne pas. Je ne te la donnerai pas. Et rien ne pourra me faire changer d'avis. Donne la pierre. Surtout, donne-lui la pierre. Mais je ne pourrai plus jamais me défendre. Vite, donne-lui la pierre. Je ne serai jamais assez grand pour te filer une correction. Donne-la. Attends une petite seconde.
Donne-moi ce talisman et je libérerai tous tes amis. Lord! Tiens, prends-la. Oh, c'est le grand maître! Superbe, bien joué, Lord. Je savais que tu ne me laisserais pas tomber. Mais non. Épargne-moi, ô grand maître. Je n'ai fait de mal à personne. Je voulais simplement la pierre d'Astra, le 12e talisman. Alors, prends la pierre, Korlok. Tu l'as cherchée pendant toute la vie. Alors, prends-la. Mais méfie-toi. Le mal va te poursuivre jusqu'à la fin de tes jours, comme il a poursuivi tous ceux qui détenaient la pierre. Prends-la ou brise la chaîne de la terreur et détiens-la. À toi de choisir. Un imbécile comme toi, Korlok, n'a pas besoin de la pierre d'Astra. Donne-la-moi tout de suite. Si Vengeur s'empare de la pierre, on va avoir des problèmes. Non, Vengeur. Le voyage de la pierre d'Astra prend fin ici. Tu abuses de ma patience, grand maître. Je ne le supporte pas. Cette fois, c'est terminé. Tu entends? Tu as entendu ce que vient de dire le grand maître? Alors disparais tout de suite. Un salon, pauvre idiot. Attention. Vite, derrière le bouclier. Prends la pierre d'Astra, Korlok. Apprécie son pouvoir, cet avenir que tu souhaites si désespérément. Oh! Et maintenant, essaie tes pouvoirs contre le 12e talisman. Avec plaisir, pauvre vieux débile! Première victoire de ma pauvre vie, lugubre. Et ce sera ma dernière. Non, Korlok, tu te trompes. Viens, Lorne. Nous partons. Très bien. Il ne nous reste qu'à nous dire adieu. Oui, et je crois que nous n'avons pas le choix. Bonne chance. Tu es entre de bonnes mains. Je crois, oui. J'aurais pu rester entre les tiennes. Heureusement qu'ils se séparent, je ne sais pas si mes nerfs auraient tenu. Et n'oublie pas, tu prends à droite toute après le supermarché. Ah, ça m'ennuie de le reconnaître. Mais il va me manquer, cet imbécile. Quoi? Eh ben oui, quoi. Tout le monde peut se tromper. Tu as pris la bonne décision, Korlok. C'est possible, mais j'avoue avoir du mal à comprendre. Tout est possible pour ceux qui ont réussi à débarrasser leur cœur de l'emprise du mal.